Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici dans l'auditorium du Musée des Confluences à Lyon pour cette rencontre qui s'annonce passionnante. Bonjour également à vous toutes et tous qui nous suivez en ligne sur la page Facebook ou la page YouTube du Musée des Confluences. Avant de vous présenter le thème et nos invités, j'aimerais vous dire dès maintenant que vous aurez l'occasion de nous poser des questions. Donc n'hésitez pas, sentez-vous libre de lever la main tout à l'heure en fin de discussion pour vous adresser à nos invités. Et puis vous qui êtes sur Internet, là aussi, vous pouvez en commentant la vidéo voir votre question transmise pour que je puisse la poser en votre nom à nos invités. Vous le savez, il y a quelques jours, s'est achevée à Glasgow la COP26, la conférence des parties. Les médias ont largement traité cet événement et on a pu lire parfois le terme d'échec, de frustration, suite au texte qui a été adopté par les États à cette occasion. Cette conférence des parties et ses résultats amènent tout simplement au thème qui nous réunit ce soir. Politique climatique et enjeux sociétaux, un compromis possible, point d'interrogation. Vaste sujet, nous avons une heure pour en parler avec nos invités. Isabelle Schwinn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie d'agriculture, et vous travaillez au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, et vous travaillez sur l'impact des changements climatiques sur la biodiversité et la forêt en particulier. À vos côtés, Hervé Le Treut, bonsoir. Bonsoir. Hervé, vous êtes climatologue, professeur à Sorbonne Université et à Polytechnique. Vous avez rédigé et coécrit de nombreux ouvrages sur le climat. Et puis vous êtes également, je le précise, membre du comité scientifique régional sur le changement climatique de Nouvelle-Aquitaine. On en reparlera tout à l'heure. Et puis enfin, Céline Guivarch, bonsoir. Bonsoir. Céline, vous êtes économiste, directrice de recherche au CIRED. Le CIRED, c'est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous êtes une des plumes du volume 3 du rapport du GIEC qui est en cours de préparation sur le thème de l'atténuation. On l'attend pour le printemps 2022. Forcément, on va parler du GIEC pendant nos discussions. Politique climatique et enjeux sociétaux, un compromis possible. Point d'interrogation. Le point d'interrogation est important. Je voudrais qu'on commence notre discussion par éclairer de vos regards singuliers les termes de cette discussion. Lorsque l'on parle, on parle de politique climatique, d'enjeux sociétaux et de compromis. Je vais commencer par le premier terme, politique climatique. Pour vous, Céline Guivarch, quand on dit politique climatique, qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression très large ? Alors en fait, derrière politique climatique, moi ce que je mets, c'est les actions, les mesures dans deux champs, dans les solutions face au changement climatique. Donc d'un côté, les actions d'adaptation à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Et donc toutes les mesures pour que nos villes soient adaptées à des vagues de chaleur plus fréquentes, par exemple, pour que toutes les activités soient plus adapté. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, et c'est complètement indissociable, il y a les politiques d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur du changement climatique. Et donc là, c'est toutes les actions et puis les politiques publiques pour diminuer les demandes d'énergie, pour isoler les bâtiments, pour transformer les façons dont on produit, dont on consomme, dont on se déplace. Voilà. Et ces politiques climatiques, sans doute, on y reviendra, je pense, il y a aussi leurs échelles. On peut parler de politique climatique internationale et puis des politiques climatiques communales. On peut parler d'action climatique à toutes les échelles et effectivement, hein, toutes les échelles ont un rôle à jouer. À l'échelle internationale, je pense qu'il s'agit surtout d'organiser la solidarité entre les pays sur cette question climatique avec de très fortes inégalités de contribution aux émissions de gaz à effet de serre historiquement et puis encore aujourd'hui, des très fortes inégalités d'exposition et de vulnérabilité aux impacts du changement climatique et puis des très fortes inégalités de développement. Et donc à l'échelle nationale, il me semble que l'enjeu, c'est surtout d'organiser cette solidarité, les transferts de technologies, les financements pour les actions d'adaptation et d'atténuation à des échelles nationales. Bah, ça va être de mettre en place les politiques publiques nationales pour
permettre, inciter et accompagner toutes ces transformations des modes de production et de consommation. Donc c'est des politiques d'investissement public, des politiques sur la fiscalité, des politiques budgétaires, etc. etc. Et puis finalement, les actions, elles sont véritablement à des échelles plus locales. Les régions, par exemple, qui ont en France l'organisation des transports, sont un acteur important. Les villes, les communes, et puis les entreprises. Enfin, donc voilà. Donc il y a effectivement il y a des actions et des politiques à tous les échelons. Alors j'ai déjà entendu quelques mots clés qui vont venir rythmer notre discussion comme inégalité, transformation. Isabelle Chouin, alors peut-être un complément sur cet enjeu de politique climatique. Oui, non, je voulais juste réagir par rapport à Céline a dit que les villes devaient s'adapter. C'est bien sûr tous les secteurs qui vont devoir s'adapter et aussi en particulier l'agriculture. Et moi, je voulais souligner qu'il n'y a pas l'homme qui... Enfin, les êtres humains qui vont devoir s'adapter, c'est toutes les espèces sur Terre qui vont devoir s'adapter. On y reviendra forcément. Justement, Isabelle Chouin, sur l'autre, le deuxième terme de l'intitulé, les enjeux sociétaux, là aussi, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette expression? Alors, on met beaucoup de choses, mais donc ce qui, il y a plusieurs types d'enjeux sociétaux. Si on les prend alors, par catégorie, on va dire ceux qui viennent qu'on a le plus à l'esprit, en tout cas en ce moment et peut-être ce soir, c'est la transition énergétique, la transition écologique, la gestion de l'eau aussi, qui est actuellement un gros problème, un gros enjeu. Mais tout ça, pour moi, sont des enjeux qui sont sous le terme développement durable, pour moi, sont des enjeux qui sont indissociables, interdépendants les uns des autres. Et puis, bien sûr, il y a d'autres enjeux sociétaux, comme les relations de genre, les inégalités sociales, puis des enjeux qui sont assez intemporels, comme l'injustice... Les flux migratoires, les relations ethniques, bon, voilà. Mais tout, et un troisième type d'enjeu pour moi, représenté par les avancées technologiques, donc le numérique, qui est un enjeu très, aussi très prégnant actuellement, et les biotechnologies. Et si on regarde de plus près, en fait, tous ces enjeux, ils ont des liens, parfois très directs, parfois plus indirects, mais ils ont tous des liens entre eux. Alors on va explorer tout ça là aussi au fil de notre discussion. Le troisième terme, Hervé Le Treut, c'est le mot compromis. Comment vous avez reçu ce mot compromis dans l'intitulé de notre rencontre? C'est vrai que cette idée de compromis laisse un peu planer le fait que peut-être on sera en train d'essayer de, j'allais dire, bidouiller, enfin de faire des choses qui soient... Des manières d'agir en retrait un peu par rapport à ce qui est aujourd'hui nécessaire. Moi, je pense qu'effectivement, on a parlé tous de la nécessaire, multidisciplinarité qui est celle qu'on doit mettre en place. Alors, moi, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est le mot environnemental. Je pense qu'il y a, pour moi, une... On dépasse un petit peu le problème du climat, je crois. Quand on regarde les problématiques climatiques, on est vraiment en train de regarder une partie de ce qui est pour moi quelque chose d'un peu plus large, qui est vraiment la dépendance environnementale, de toutes les synergies qui sont en train de se mettre en place, qui sont multiples. Alors on en a cité déjà beaucoup, hein, mais ça peut relever aussi de problèmes de droits de l'homme, hein, de problèmes de... surtout, on n'a pas dit qu'on est dans un monde qui est un monde où il y a des guerres, où il y a des... On est dans un monde qui ne se résume pas en fait à ce que la science peut dire. Mmh. Donc il y a entre ce que la science peut dire et puis ce que l'on va être obligé de mettre en œuvre si on veut essayer de prendre des décisions, je crois qu'il y a... Une différence importante. Et ça, ça demande effectivement d'être volontariste. Ça ne demande pas effectivement donc, de faire ce qu'on appelle compromis. Moi, j'appellerais plutôt ça des arbitrages. Mmh. On a besoin d'arbitrer des situations parce qu'il y a beaucoup de situations qui ne seront plus possibles. Mmh. On a déjà émis énormément de gaz à effet de serre.
ces gaz à effet de serre sont stockés dans l'atmosphère, ils ne vont pas disparaître comme cela. Il y a très peu de possibilités de les faire disparaître très vite. Donc oui, je crois que ce qui est devant nous, c'est des choses qui demanderont d'être, d'agir fortement. Donc au-delà du compromis, de cette notion très de compromis. Très au-delà du compromis. Céline Guivarch, vous vouliez compléter ? Oui, en fait, moi, je voudrais réagir sur les deux termes, sur les enjeux sociétaux. Pour moi, ce à quoi ça fait référence, c'est quand même le cadre des objectifs du développement durable. On a 17 grands objectifs à l'échelle mondiale, l'éradication de la pauvreté, de la faim, la réduction des inégalités, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à une énergie, l'accès à un emploi décent, etc. Je pense que, alors, on peut peut-être se dire ce cadre-là, oui, mais en fait, il n'est pas très valable pour un pays comme la France, qui est un pays riche, etc. Quand on regarde, en France, un ménage sur 7 est sous le seuil de pauvreté, l'accès à l'éducation n'est pas complètement égalitaire, les revenus entre les hommes et les femmes sont inégalitaires, on a des soucis de qualité de l'air, de qualité de l'eau, etc. Et donc, c'est un cadre qui me semble intéressant pour penser ces questions-là. Et après, le mot compromis, moi, il m'a un petit peu fait penser l'idée qui serait de dire, en fait, agir pour le changement climatique, ça veut dire, c'est renoncer à ses objectifs et ce serait contraire à ces objectifs-là. Il me semble que c'est exactement l'inverse. En fait, les impacts du changement climatique sont tels que ne pas agir face au changement climatique, c'est renoncer à ces objectifs-là. Et c'est quand même ce que les recherches montrent aujourd'hui très fortement, y compris les recherches en économie, que les coûts de l'inaction face au changement climatique sont largement supérieurs aux coûts de l'action. Voilà ce que je voulais dire. Justement, venons-en à ces objectifs de développement durable. Ils sont 17, ils ont été définis par l'Organisation des Nations Unies il y a quelques années déjà, je ne sais plus exactement. En tout cas, les enjeux climatiques en font partie. Mais finalement, ces politiques climatiques, est-ce qu'elles vont, justement, comment on peut les faire rimer avec ces enjeux de société ? Vous commenciez à parler des inégalités, Céline Guivarch. 10% des personnes les plus riches à l'échelle de la planète représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que 50% des personnes les plus pauvres sur notre planète émettent 10% des gaz à effet de serre. Est-ce que le prisme de l'inégalité peut être un levier pour faire rimer ces deux problématiques ? Alors, on a l'inégalité qui a un croisement très très fort avec le changement climatique, à la fois sur les contributions aux émissions de gaz à effet de serre. Vous parlez des inégalités entre pays, on retrouve ces inégalités-là au sein des pays, avec les ménages les plus riches qui sont les ménages les plus émetteurs. En France, il y a un facteur 3 à peu près entre les émissions moyennes des 10% des ménages les plus riches et les émissions moyennes des 10% des ménages les plus modestes. Et on retrouve dans l'autre sens des inégalités d'exposition aux effets du changement climatique et de vulnérabilité aux effets du changement climatique. Donc on est vraiment sur une question de justice climatique, il me semble. Après, quand on va un petit peu regarder sur les solutions, il y a une chose qui est importante, c'est que dans un pays comme la France, c'est aussi vrai entre pays, les inégalités d'émissions, elles sont fortes, mais elles sont moins fortes que les inégalités de revenus. Donc ça veut dire que si on met en place des politiques qui passent par des prix, on va en fait accentuer les inégalités. Donc ça veut dire que dans la conception de politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est extrêmement important de se poser la question de l'impact sur les inégalités et en fait de concevoir des façons pour qu'elles n'augmentent pas les inégalités. Et c'est tout à fait possible, quand on met en place, par exemple, une fiscalité sur le carbone, il y a une
une partie des revenus qui peut être utilisée pour compenser l'effet négatif sur les inégalités. Mais si on n'a pas ça en tête à toutes les étapes de la conception à la mise en œuvre des politiques climatiques, il y a effectivement un risque qui est un antagonisme, mais il n'est pas inéluctable. Voilà. Alors justement, Isabelle Schwinn, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais peut-être pas tant que ça, malheureusement. Si je prends plusieurs objectifs de développement durable, par exemple celui de la sécurité alimentaire. Je suis un acteur d'un pays, quel qu'il soit dans le monde, et donc je vais raser une forêt pour planter du maïs, alors qui n'ira pas pour l'alimentation d'animaux, mais pour l'alimentation humaine. Et finalement, tout à l'heure, Hervé Le Trout parlait du terme d'arbitrage. Comment on arrive justement à arbitrer et pour mener des actions qui finalement ne vont pas nuire, apporter un bénéfice sur un volet et puis être délétère sur un autre? Je pense que justement le cadre des objectifs de développement durable permettent, ils ont été conçus, je pense, pour justement identifier les synergies et les antagonismes et les quantifier de manière à optimiser l'ensemble du système. C'est-à-dire que les objectifs de développement durable, il faut les atteindre tous en même temps. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste derrière. Donc, c'est ça aussi la force. Alors, c'est compliqué, il y en a beaucoup, il y en a 17 catégories, puis à l'intérieur il y a plein de sous-catégories, donc c'est assez difficile à manipuler, je pense, pour les décideurs. Mais ils ont quand même ce point positif qui est de nous faire changer un peu de façon de voir les choses, et notamment de voir qu'il n'y a pas forcément tant d'antagonisme que ça, et qu'il y a surtout beaucoup de synergies à trouver. Beaucoup, vraiment, quand on commence à y réfléchir, et notamment des synergies entre l'objectif climat, l'objectif biodiversité, l'objectif fin dans le monde, pauvreté, inégalité. Voilà, donc je crois beaucoup à ce cadre des objectifs de développement durable. Ils ont été beaucoup utilisés pour l'instant dans les pays pauvres, et on comprend pourquoi. Les pays riches s'en sont peu emparés jusqu'ici, je trouve, relativement, mais il faut aussi qu'on s'en empare. Alors, je comprends qu'il faut finalement en faire une grille de lecture pour tout projet, finalement, voir comment on coche ou pas ces 17 objectifs. Exactement. Alors Hervé Le Trut, justement, comment vous qui à la fois avez un regard macro, vous avez aussi contribué à des rapports du GIEC et cette approche plus localisée sur un territoire, notamment l'Aquitaine et puis maintenant la Nouvelle-Aquitaine, cette transversalité dans l'approche des projets, est-ce que c'est de la rhétorique, ce sont des beaux mots, et sur le terrain, est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre ces synergies? Oui, il y a une chose que je voudrais dire juste avant, c'est qu'effectivement, on est sur un problème qui est un problème mouvant, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre sont encore en voie d'augmentation rapide. Surtout, les gaz ont tendance à rester dans l'atmosphère. Il y a un cumul qui se fait au fil du temps, donc on n'est pas dans un problème qui est statique. Et c'est vrai aussi pour toutes les transitions. Je parle de la transition climatique parce que c'est celle à laquelle je suis le plus à l'aise, mais c'est vrai pour toutes les transitions dont on a parlé jusqu'à présent. Donc on est vraiment face à un problème qui est mouvant, et mouvant rapidement. Je pense que ça fait partie vraiment de l'équation aujourd'hui, parce que si on parle justement de ces sociétés, les sociétés vont être aussi confrontées à cette... Alors, moi, ce qui m'a intéressé quand on a commencé à faire ce travail en région Aquitaine, c'était justement le fait que sur un territoire un peu restreint, donc peut-être plus facile à comprendre, en plus c'est mon territoire d'origine, on peut regarder les problèmes de manière un peu systémique, ne pas rester sur une vision qui est une vision... en silo, comme on a avec différentes perceptions des problèmes. Et
On a fait un travail qui a été demandé par la région Aquitaine, qui était un travail extrêmement précis au départ, c'est-à-dire savoir ce qui pourrait se passer dans la région Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine, ça a duré 12 ans, ça continue. C'était de savoir effectivement déchiffrer un petit peu ce qui pourrait se produire dans le futur. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, on a commencé à faire, on a fait deux, trois gros rapports, il y a eu 400 personnes qui ont été concernées. C'est que l'impact de ce qu'on pouvait dire en tant que scientifique, si on ne le disait pas avec les mots qu'il fallait, l'approche qu'il fallait, finalement, ça avait assez peu de manière de. Enfin, ça avait assez peu d'incidence sur ce qui était fait au niveau de la décision. Et par ailleurs, on est effectivement, même à cette échelle-là, et peut-être même surtout à cette échelle-là d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur une grande région comme celle-ci, dans la nécessité, c'est pour ça que je parlais d'arbitrage, parce que c'est quelque chose que l'on voit maintenant, qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que les gaz à effet de serre sont là de manière importante. On a cette nécessité de faire des choix de plus en plus grandes. Et donc ça veut dire être en capacité d'aller voir, enfin, d'être au plus près des gens pour voir ce qui peut se passer. Et donc je crois que c'est peut-être ce qu'on gagne le plus quand on est dans ce cadre-là, et on a essayé de le faire largement au fil de ces années, d'aller voir les différentes villes, les différents lieux, et voir comment tout ça peut trouver une forme de cohérence. Et cette cohérence, elle n'est jamais vraiment gagnée. Je vois qu'aujourd'hui, il y a par exemple une centrale solaire qui se met en place à la région sud de Bordeaux. Ça fait débat, et ça fait débat au sein, alors que les gens sont presque, je pense, tous des verts. Mais c'est parce que on est face à quelque chose qui a, comme je l'ai dit, qui a évolué très fort, et que malgré tout ce qu'on a dit effectivement sur les grilles de lecture tout à l'heure, c'est difficile d'avoir une opinion tranchée dans un système qui est mouvant aussi rapidement, en fait. Voilà. Alors, j'aimerais revenir sur cette notion d'arbitrage, parce que j'ai l'impression que cette grille de lecture des 17 objectifs de développement durable est bloque sur un élément qui gagne souvent les arbitrages. Je vous lisais, Céline Guivarche, dans un article, vous disiez « la toute puissance de l'indicateur croissance du PIB doit être remise en cause ». Est-ce que, justement, cette grille de lecture des 17 ODD ne nous invite pas à changer de modèle, notamment avec cette approche économique ? Alors le PIB, hein, c'est un indicateur qui a été construit il y a un siècle pour mesurer les quantités produites. C'est sans doute pas un indicateur. Enfin, on sait que ce n'est pas un indicateur qui mesure le bien-être dans une société, et que ce soit un objectif absolu pour guider les politiques publiques et les décisions, ce n'est pas adapté aux enjeux de notre siècle. Ça, c'est assez évident. C'est plus difficile de le faire changer. Il y a eu plusieurs propositions, et bon, de plus en plus quand même dans les politiques publiques, on suit aussi d'autres indicateurs. On peut penser aux indices de développement humain, par exemple, qui a pu... Oui, alors je pense que finalement, avoir un indicateur unique, c'est sans doute un petit peu réducteur, parce que on serait à agréger des choses qui sont pas forcément complètement comparables, et je pense que l'idée d'un tableau de bord est sans doute plus pertinent, justement parce qu'on fait pas on peut pas faire une équivalence, substituer un peu de mieux d'un côté donc je pense que voilà. Après, évidemment que le PIB, ça conditionne par exemple les revenus de l'État, et donc que ça conditionne les possibilités d'investissement pour la santé, l'éducation et la transition énergétique aussi. Donc je suis pas en train de dire que
qu'il faut absolument le mettre à la poubelle. Je pense aussi que même si en changeant d'indicateur, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller travailler sur les processus de prise de décision, de gouvernance, qui portent les enjeux climat. Est-ce qu'ils sont partout dans les grandes décisions qu'on prend, dans les grandes décisions sur les transports, sur l'agriculture et l'alimentation, sur etc. Et puis sur qui et comment sont prises les décisions et qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif en tant que société. Ce que j'entends aussi dans vos propos, c'est que finalement, on resterait dans le champ du compromis si on continue à juxtaposer politique climatique et enjeux sociétaux d'autre part, donc de faire des politiques climatiques des politiques sectorielles, alors qu'elles devraient être finalement le prisme peut-être de lecture de l'ensemble des politiques. Bah, oui, enfin, disons que se dire que les politiques climatiques, ce serait quelque chose qui serait à côté ou qui viendrait après ou qui serait uniquement porté par un ministère de l'Environnement, je pense que ça ne correspond pas à l'enjeu de transformation assez radical hein, et rapide et de bah, tous les grands secteurs de notre économie et que ça on peut le faire que si toutes les décisions sont passées au prisme de leur effet sur le climat. On peut pas se dire on va faire une politique des transports d'un côté et une politique climatique de l'autre, ça a pas de sens. Parce qu'une politique des transports, c'est une politique climatique. Oui, absolument. Alors, Isabelle Schwinn, je lisais là aussi un article que vous avez écrit il y a quelques temps. Et plutôt que de parler d'environnement ou d'écosystème, vous choisissez le terme de biosphère. Est-ce que vous pouvez rappeler ce dont il s'agit ? Et est-ce que utiliser ce mot, ce n'est pas aussi participer à un certain changement de modèle, un changement du cadre de réflexion sur notre place dans cette biosphère ? Oui, alors, c'est vrai que j'ai tendance à préférer le terme de biosphère à celui de biodiversité dont tout le monde entend parler, parce que dans le terme biosphère, donc, la biosphère, c'est l'ensemble des êtres vivants sur Terre et leur interaction avec leur milieu, donc avec l'hydrosphère, avec l'atmosphère et la lithosphère. Pourquoi ? Parce que bon, derrière le terme biodiversité, on ne voit pas en fait, ce qu'il y a derrière et ce qui est important pour les êtres humains, mais aussi pour toute la biodiversité, sont les services en fait, que rendent les milieux naturels aux êtres humains, donc qui sont de quatre types. Il y a les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services d'ordre culturel et sanitaire et les services qu'on appelle de soutien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'idée que la vie s'auto-soutient. Donc ces services de soutien, c'est la photosynthèse qui est la base de toute la chaîne alimentaire, la formation des sols, et puis le troisième, il m'échappe. Bref, voilà, donc c'est vraiment l'idée que les milieux naturels rendent des services incommensurables en fait aux êtres humains. Il faut, si vous voulez, un ordre de grandeur, on a évalué qu'il revenait à peu près à la moitié du PIB, donc on revient sur le PIB, la moitié du PIB mondial, donc c'est colossal. Voilà. Et alors, repenser en termes de biosphère, c'est nous replacer, nous, êtres humains, parmi les vivants, pas un vivant au-dessus des autres, mais parmi les vivants. Est-ce que là aussi, cette approche nous permet de casser en fait cette frontière qu'on a mis entre l'homme et le vivant et qui fait que culturellement on est dans un rapport d'exploitation des ressources de la planète. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que dans le musée il y avait une salle où on voyait, je ne sais pas si vous êtes, enfin, pour les Lyonnais ou ceux qui ont visité le musée, une salle dédiée aux espèces, je crois, elle s'appelle la salle, et on voit une sorte de buisson, c'est le buisson de la vie, blanc,
et où on voit que voilà, l'homme n'est plus, qui change notre façon de nous représenter au sein de ce monde vivant. On n'est pas à l'échelle en haut de l'arbre du vivant, on est quelque part dans la nébuleuse du vivant. Et effectivement, il faut avoir une certaine humilité en tant qu'être humain, se rendre compte que, notamment, par exemple, on ne pourrait pas vivre sans le microbiote qu'on héberge dans notre corps, sur nous, à l'intérieur de nous. Voilà, ce sont d'autres êtres vivants qui sont importants, qui sont aussi dans le sol, qui sont partout et qui sont essentiels en fait à la vie sur Terre. Donc oui, il faut changer cette façon de percevoir notre relation au vivant. Hervé Le Treut, est-ce que vous avez le sentiment, et dans quelle mesure, que faire rimer politique climatique et enjeux sociétaux nécessite de changer de modèle? Alors ça dépend ce qu'on veut mettre derrière le mot modèle. Je pense qu'effectivement on est aujourd'hui dans une phase qui est une phase de transformation des enjeux que je crois extrêmement forte. Moi j'étais assez frappé par le rapport du GIEC sur les 1,5 degrés. C'était un rapport spécial paru il y a quelques temps, l'année passée. Deux ans, je pense, à peu près. Et parce qu'en fait, ce qui était montré, c'était quatre scénarios possibles pour le futur. C'est le résultat de beaucoup de choses. Enfin, c'est un gros rapport qui était, mais avec ce schéma qui était montré de manière assez emblématique. Et il y avait une première manière de regarder les choses qui était de réduire les émissions de manière drastique. Drastique, ça veut dire pratiquement être à un niveau d'émission zéro en 2050. D'émission zéro, ça veut dire effectivement plus beaucoup de voitures voilà, dans la rue. Et puis après, il y a des scénarios qui s'appuient sur des puits de carbone, mais qui pour le moment restent faibles par rapport à ce qui serait souhaité si on voulait vraiment arriver à... Il y en a de plusieurs formes. Il y a la manière de faire de la captation, séquestration dans les sols, qui est quelque chose qui a été très, très, très mis en avant à une époque et qui semble à poser des difficultés quand même de réalisation. Tout ce qui peut se faire dans le monde végétal ou dans le monde de la faune et de la flore. Et puis il y avait un quatrième, c'était bon, on n'y arrive pas et on essaiera de faire mieux un petit peu plus tard. Je crois que c'est la première fois que je voyais quelque chose qui ressemblait à l'idée que on avait atteint un moment où les choses ne pouvaient plus être comme avant. Je pense que c'est assez clair là, maintenant. Les choses ne peuvent plus être comme avant. Ce qui veut dire qu'on a un besoin, effectivement, d'aller vite. Alors, on parle d'urgence climatique. J'aime pas trop ça parce qu'en fait, on a eu des urgences successives. À chaque fois, ce n'est pas les mêmes conclusions, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes conséquences. Mais par contre, je pense que cette nécessité d'aller vite, de commencer fortement les choses, elle devient extrêmement forte aujourd'hui. On a une vision du problème climatique dans le monde des sciences dures que je représente un petit peu ici, qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a le climat d'aujourd'hui, puis on essaie de voir ce qui pourrait se passer dans l'an 200, dans l'an 100 généralement. Et puis après ça, on revient à l'état initial, et puis on dit pour que dans l'année 100, on soit dans des conditions correctes, il faudrait que. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin avant tout de commencer les actions de manière rapide. Et puis ensuite, on verra en chemin comment on les aiguille dans les bonnes directions. Mais je crois que c'est ce qui devient absolument nécessaire, c'est ça, c'est de ne pas perdre de temps aujourd'hui et de commencer les choses. Parce que c'est, quand on regarde les chiffres, on pourrait passer beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup augmenté en fait les succès dans ce domaine-là. On est encore dans des situations qui sont celles d'il y a, et qui s'aggravent à chaque fois qu'on émet des gaz à effet de serre, ils se stockent dans l'atmosphère. Donc oui, je pense qu'il faut effectivement changer
sinon de modèle, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais changer en tout cas d'attitude, ça c'est certain. Alors justement, vous le disiez, il faut commencer à mettre en place ces actions. Je voudrais qu'on parle justement d'actions, comment on peut agir aujourd'hui en visant à la fois, répondre à la fois à l'urgence et au long terme, parce que le climat, il y a de l'inertie, vous l'avez dit, les gaz à effet de serre se stockent. Il va falloir s'adapter, mais il faut atténuer, il faut en agissant maintenant. Tout à l'heure, vous a été évoqué la question de la fiscalité. J'aimerais qu'on prenne le temps quand même de regarder un peu plus ce sujet, parce que la fiscalité carbone, on s'en souvient, il y a quelques années, cette écotaxe, ça a lancé le mouvement des Gilets jaunes. Donc je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d'évoquer cette fiscalité carbone, surtout que vous disiez, Céline, que c'était une façon de traiter d'aborder concrètement la question des inégalités. Alors, le raccourci est peut-être un peu trop brusque, mais allez-y. Oui, alors, on a une fiscalité carbone en France, qui est toujours là. Son augmentation a été gelée suite au mouvement des Gilets jaunes. Et la fiscalité sur le carbone, elle a été introduite en 2014. La façon dont elle a été conçue n'a pas pris en compte la question des inégalités. Et ce que je vous disais, c'est que la fiscalité telle qu'elle est conçue en France, effectivement, elle représente un budget, une part du budget plus important pour les ménages les plus modestes. Et donc, s'il y avait une intuition d'injustice derrière le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il y avait autre chose dans ce mouvement-là que simplement la fiscalité carbone. Mais sur la fiscalité carbone, effectivement, dans les données, quand on regarde l'effet sur le budget des ménages français, on retrouve cette inégalité. Ce que je disais, c'est que dans la façon de le concevoir, c'est pas inéluctable, justement parce que ça donne lieu à un revenu et on peut utiliser une partie du revenu pour compenser les ménages qui sont mis dans une situation difficile à cause de cette fiscalité-là. On peut utiliser une partie pour financer de la rénovation thermique des bâtiments. Oui, quand vous dites revenu, c'est le revenu de l'État tiré de la collecte de cette taxe et de l'affecter. Tout à fait. Voilà. Je parle du revenu pour l'État de cette fiscalité-là. Et donc, c'est vraiment dans la façon dont on conçoit un instrument comme celui-là qui détermine est-ce qu'il va être égalitaire ou inégalitaire. Et il me semble aussi que, bon, il ne faut pas penser que, je ne suis pas une économiste qui pense qu'on met un prix et c'est bon, c'est fini, le problème est réglé. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un paquet de politiques qui passe par beaucoup d'autres choses que des prix. Mais ceci dit, les transformations peuvent avoir lieu si aussi les solutions alternatives existent, si les investissements se font. En fait, en plus, cette fiscalité, elle n'est quasiment que payée par les ménages et pas par les entreprises. Il y a certains secteurs comme l'aérien international qui est complètement exclu, etc. Donc, qui constitue aussi une inégalité. Et puis, par ailleurs, elle peut être juste et efficace à réduire les émissions si, en parallèle, on construit collectivement les solutions à utiliser moins d'énergie fossile pour se chauffer et pour se déplacer. Donc concrètement, ça veut dire isoler nos bâtiments. Ça, c'est des investissements. Il y a des politiques publiques qui peuvent permettre d'aider à faire ça, de construire les filières et les emplois pour que ça puisse être fait et rapidement et à grande échelle. Transformer aussi nos infrastructures de transport pour que ce soit possible de se déplacer à vélo sans que ce soit dangereux, pour que ce soit possible d'avoir des transports en commun, etc., etc. Donc en fait, il y a aussi toute la construction collective des solutions alternatives. On va faire un passage par les problématiques autour de la biodiversité et l'environnement. Là aussi, comment peut-on agir ? Alors, tout à l'heure, je prenais un exemple terrible, raser une forêt pour planter. Mais quelles solutions on a aujourd'hui pour traiter et enjeux de société et climat ? Alors, il existe
au niveau international une organisation qui s'appelle l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui depuis quelques années a proposé ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, dont on n'entend pas souvent parler quand on parle de politique climatique, mais qui sont à mettre en œuvre parce que elles sont. Donc ces solutions, c'est quoi ? D'abord, ça vise à restaurer des milieux naturels qui ont été soit détruits, soit beaucoup dégradés par les activités humaines, de manière à ce que ces milieux naturels rendent à nouveau les services qu'ils rendaient aux populations humaines et à l'ensemble des autres êtres vivants. Donc ce dont on parlait tout à l'heure et qui représente économiquement beaucoup d'argent. Donc ces solutions, elles ont été beaucoup mises en œuvre dans les pays pauvres parce que tout d'abord, ce sont des solutions qui sont relativement peu coûteuses en fait à mettre en œuvre. Ce sont relativement à d'autres solutions qui demandent des technologies très avancées que ces pays n'ont pas. Donc, si je prends quelques exemples, en Asie notamment, dans beaucoup de régions, on a essayé de restaurer la mangrove parce que c'est un écosystème qui rend énormément de services. D'abord, la mangrove, donc pour rappeler, c'est une forêt qui pousse les pieds dans l'eau, dans une eau saumâtre, souvent au niveau des estrangs et là où il y a un apport d'alluvion qui rend une terre, la terre fertile. Donc ces mangroves, elles stockent énormément de carbone de façon très durable. Elles sont des points chauds de biodiversité et notamment elles hébergent des populations très abondantes de poissons et qui est donc importante pour la pêche vivrière, pour les populations locales. Elle permet aussi de limiter les submersions marines et elles permettent notamment de relever le niveau du sol par un phénomène d'accrétion, ce qui est intéressant quand le niveau de la mer monte. Voilà, donc elles rendent tout un tas de services qu'on a même évalué très précisément à de l'ordre de 100 000 euros par hectare de mangrove plantée. Donc voilà, ça c'est des solutions faciles à mettre en œuvre qui règlent tout un tas de problèmes. Et il y a l'agroforesterie aussi qui est beaucoup utilisée dans ces pays en voie de développement. Dans l'agroforesterie, ça consiste à faire des cultures sous couvert forestier. Et donc là, on joue sur la complémentarité en fait des espèces dans leur façon d'utiliser le milieu, le sol, la lumière, etc. Et dans les pays riches, bon, ça a été beaucoup moins mis en œuvre ces solutions, mais malgré tout, elles ont commencé à être mises en œuvre, on va dire. Beaucoup dans les villes, en fait. Et bon, vous avez sans doute entendu parler de la revégétalisation des villes, parce que voilà, la végétation et les arbres ont un effet climatiseur qui est très bénéfique quand on est en pleine canicule. Et puis, ils participent aussi à la régulation des flux d'eau, donc par rapport aux inondations, etc. Donc, là, en Chine notamment et en Europe aussi, ce sont des solutions qui commencent à être mises en œuvre. Mais par rapport à la question des inégalités, on revient aux enjeux sociétaux. Malheureusement, souvent, ces solutions sont mises en œuvre dans les quartiers riches et beaucoup moins dans les quartiers plus défavorisés. Donc, ces solutions fondées sur la nature, même si globalement, elles tendent à diminuer ces inégalités sociales, ce n'est pas automatique. Voilà. Donc il faut avoir ça aussi en tête. Et ça amène aussi, je pense, le sujet de la gouvernance de ces projets. Céline évoquait tout à l'heure la façon dont on conçoit les projets. Là, on sent que parfois, on peut rater la cible si on n'a pas tous les acteurs autour de la table. Hervé Le Treut, est-ce que la question de la gouvernance de ces politiques climatiques, pour vous, c'est un enjeu central ou faut d'abord agir et on voit ensuite qui on peut ajouter dans ce tour de table? Non, je pense que la gouvernance, c'est nécessaire.
nécessairement un enjeu central. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut effectivement agir parce qu'il y a un problème de temporalité qui est important et que parce que aussi on apprend en agissant, je pense. Moi, je l'ai vu dans tout ce qu'on ne peut pas évoquer autour de la région Aquitaine, puisque c'est là que j'ai travaillé beaucoup. On voit, il y a les zones littorales, il y a les zones montagneuses, il y a les zones... On sait faire un tableau des éléments qui sont en jeu. Et derrière ces éléments-là, il y a aussi des prises de décision qui sont des prises de décision systémiques. Si on regarde l'eau dans une région comme celle-ci, ben, il y a de l'eau qui sert pour faire des centrales nucléaires, pour faire des centrales pour l'hydroélectricité, pour gérer énormément de milieux qui sont différents et qui sont en compétition les uns avec les autres. Donc c'est un élément local, mais on a besoin d'avoir une vision aussi qui éclaire le futur à longue échelle. Je crois que c'est très important d'avoir celle-là et qu'on ne peut pas s'en passer du tout. Je crois qu'on Donc on a plusieurs échelles de réflexion qui sont nécessaires, je pense. Il y a une échelle qui demande des actions immédiates, mais il y a aussi une échelle qui va demander des réflexions immédiates et le plus rapide possible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où tout n'est plus possible. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire en termes de réalisation. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est... j'aime pas tout ce qui est catastrophiste ou ce qui est, c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est qu'on a effectivement besoin de serrer un petit peu les problèmes un peu mieux qu'on ne peut le faire aujourd'hui. On n'a pas les armes aujourd'hui facilement pour mettre. On le voit un peu dans une discussion. Moi, je suis physicien. On travaille sur des domaines qui nous disent qu'il y a des choses qui sont impossibles. Puis on a d'autres domaines où c'est aussi un petit peu similaire malgré tout, mais on n'a pas facilement aujourd'hui les outils qui nous permettraient de mettre côte à côte un risque lié à des problématiques purement physiques, un risque lié à des problématiques liées à la diversité, j'essaie de dire biodiversité, mais aussi des problèmes sociaux qui sont des problèmes graves, différents, un petit peu partout. Donc je crois que ces éléments-là, il faut arriver à les lier de plus en plus fort, mais on n'a pas toujours beaucoup les réflexes, la capacité de lier toutes ces choses les unes aux autres. Pour le moment, ça reste un enjeu extrêmement difficile. Céline Guivarch, vous êtes économiste, donc vous travaillez beaucoup sur la modélisation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on manque encore de ces outils qui nous permettent de juxtaposer, c'est pas facile, les choux et les carottes pour pouvoir en tirer des solutions extrêmement lisibles finement sur leurs différents impacts, les effets de bord, est-ce qu'on a des co-bénéfices ou pas ? Alors j'ai l'impression que le métier quand on est économiste et qu'on travaille sur les enjeux climat, on va pouvoir regarder différents types de trajectoires ou différents types de choix et évaluer les implications pour un certain nombre de dimensions. Ce qu'on commence à faire aussi de plus en plus, parce qu'il y a quand même des politiques qui sont mises en place dans différents pays du monde et de plus en plus, on a aussi un rôle à regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, quelles ont été les implications, etc. Et finalement se poser la question comment est-ce que ce qui a marché, est-ce qu'on peut le répliquer ailleurs, etc. Par contre, il me semble que ce n'est pas du tout le rôle des chercheurs ou des économistes de dire « voilà la solution qu'il faut suivre, c'est celle-là qui est optimale ». En fait, c'est un débat qu'on a, un débat démocratique qu'on a à avoir pour faire ces arbitrages-là et faire ces choix-là. Mais il me semble que c'est pas aux chercheurs de les faire. On peut évaluer avec les outils qu'on a
quelles pourraient être les implications de tel ou tel choix. Voilà, et après, c'est une question de participation de tous à ces choix-là. Et il y a un enjeu de gouvernance et, à mon sens, de démocratie pour la participation, pour s'emparer de ces choix-là, pour la participation à ces choix-là. Et on parlait d'inégalité, on a quand même aussi des grandes inégalités dans l'accès à la décision. Voilà. Alors, allez-y, Hervé Le Treut, et puis sachez que juste après, vous pourrez poser vos questions. On a une première remarque qui nous vient des internets, comme on dit, que je vais relayer dans quelques instants. Allez-y, Hervé. Non, je voulais juste dire qu'on a, jusqu'à présent, on n'a pas parlé fortement de ce qui peut être du régime, du rôle national et puis de ce qui peut être de la dimension internationale du problème. C'est vrai que. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas complètement par rapport à ces enjeux internationaux. La France représente à peu près 1%, alors on peut rajouter un petit peu plus des gaz à effet de serre qui sont au-dessus de nos têtes. Donc on est face à une nécessité d'action à l'échelle mondiale dans laquelle on joue notre rôle parmi beaucoup d'autres. Ce qui veut dire que malgré tout, on doit concevoir ces situations-là dans un monde où il y a des guerres, il se passe beaucoup de choses qui sont des choses difficiles. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, à mon avis, effectivement, des situations à bien lire de manière un peu différenciée. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose d'essayer de gérer et de protéger notre territoire national ou d'agir au niveau international, même si au bout du compte, c'est quand même au départ les mêmes enjeux un petit peu qui sont liés les uns aux autres. Mais je crois que c'est important d'avoir cette lecture aussi des choses. Et bien sûr, c'est pas ensuite aux scientifiques d'en décider. C'est effectivement pas à nous de le faire. C'est aux élus. Alors, une remarque nous est proposée sur le régime alimentaire carné, puisque selon l'ADEME, alors je lis, je n'ai pas en tête les chiffres moi-même de l'ADEME, un régime végétalien en France utilise 3,3 fois moins de surface agricole que le régime carné moyen. Cette remarque m'amène à une question que j'avais envie de vous poser, parce que lorsque l'on parle de climat, souvent on se quitte en se posant la question, et moi, individuellement, à mon échelle, comment je peux agir ? Comment je peux faire partie de la solution? La solution, elle est sans doute dans ce que l'on mange, comment on se déplace, mais comment on fait le lien, parce qu'on a parlé de ces échelles sans cesse, de ces interdépendances, comment on fait le lien entre l'action individuelle et ces enjeux sociétaux et ces politiques globales? Je vois tout le monde plisser les yeux sur cette question, Céline Guivarch. Oui, je peux me lancer sur la question. Les petits gestes du quotidien, c'est bien, il faut les faire, mais ce n'est pas à l'échelle de l'enjeu des transformations dont on est en train de parler. L'objectif, c'est d'atteindre zéro émission nette en quelques décennies. Ça veut dire, franchement, tout transformer, et ce n'est pas en jouant à la marge d'un petit truc que... Voilà. Ça peut être une porte d'entrée. Après, si on est un consommateur, donc on peut choisir certaines choses. On est aussi un citoyen, donc on peut en votant, en s'impliquant politiquement, enfin dans des associations, dans je sais pas sa commune, etc., pour pousser ces transformations-là. On est aussi soit étudiant, professionnel, etc., dans le lieu où on travaille, où on étudie, on peut s'investir pour pousser des changements, se dire ok, mon entreprise finalement, qu'est-ce qu'elle a comme responsabilité en termes d'émissions, comment est-ce qu'elle peut les réduire et pousser ces démarches-là. On peut aussi, dans les cercles dans lesquels on est, parler, mettre sur la table et amener aussi les ordres de grandeur, les données pour
qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir en tête les enjeux réels. Donc je pense qu'il y a une palette d'actions et l'enjeu, c'est bien quand même de transformer nos villes, nos économies, nos territoires. Et donc c'est fondamentalement une question collective, en fait. Isabelle Schwinn, allez-y. Oui, non, pour rebondir là-dessus, effectivement, les solutions individuelles, les actions individuelles ne suffisent clairement pas. Il faut des politiques publiques. Et si on regarde les émissions, par exemple, de la France, il y a quand même 20% des émissions qui proviennent du secteur industriel. Et que je sache, pour l'instant, il n'y a aucune contrainte sur l'industrie pour réduire les émissions. Elles font un bilan de leurs émissions, mais je crois que c'est tout. Il y a aussi 25% des émissions qui viennent de la destruction des habitats naturels. Et il faut aussi se rendre compte que, par exemple, la forêt en France stocke recapte près de 25% de nos émissions. Donc voilà, il y a des politiques, là, une politique, par exemple, forestière à mettre en œuvre. Et actuellement, il y a eu 200 millions de mis dans le secteur forêt-bois suite au plan de relance de la France. C'est très bien, mais c'est ce qu'il faudrait à peu près mettre chaque année si on voulait que ce secteur joue vraiment son rôle pleinement dans la politique climatique. Hervé Le Trut. Oui, c'est une remarque un peu différente que je voulais faire, mais qui n'est pas du tout contradictoire. C'est le fait qu'on n'a pas non plus parlé beaucoup de tout ce qui est formation et d'enseignement. Je crois que le problème du climat, c'est un problème qui va continuer pendant assez longtemps. Et autant on est capable d'anticiper ce qui peut se passer dans les 20 prochaines années, parce que nos modèles le montrent assez clairement, on ne s'est pas trompé sur les 20 dernières années. Et je pense, autant on ne sait pas ce qui va se passer au-delà, parce que ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus. Et on aura besoin de gens qui soient en capacité de décider par eux-mêmes, de regarder, d'anticiper de ce qui va se passer. On peut déjà anticiper beaucoup de choses. Donc ces dimensions-là, on les prend pas toujours en compte de manière suffisante, je pense. Alors, vos questions. Donc, je vous donne les règles du jeu, parce que pour des raisons sanitaires, on ne peut pas vous amener un micro. Donc, je vous invite à vous lever, ça va vous aider votre voix à porter. Vous parlez fort, et moi, il faut que je reformule votre question. Donc, il faut que vous soyez concis pour que les internautes qui nous suivent sur la page Facebook et la page YouTube du musée puissent entendre la question et ensuite la réponse. Donc, merci à vous, madame. Merci madame. Donc cette question, le terme solidarité a été utilisé à plusieurs reprises dans notre discussion, terme fort qui vient en contradiction de nos sociétés de plus en plus individualistes. Donc comment on peut venir traiter cette question de la solidarité pour avoir des impacts. C'est vous, Céline Guiverge, qui avez été la première à utiliser ce terme de solidarité. Donc je vous laisse le plaisir d'ouvrir les réponses. Ouais, alors j'ai utilisé ce terme-là effectivement dans le cadre de la solidarité internationale, hein, et c'était pour parler finalement de la responsabilité historique des pays riches qui ont créé ce problème-là et qui, si on rapporte à la population nos émissions, hein, Hervé Le Trut disait la France c'est 1% des émissions. Ouais, il y en a certains qui utilisent cet argumentaire-là pour dire ah oui, mais quoi qu'on fasse, donc machin, etc., c'est les Chinois, machin. Si on le rapporte à la population, en fait, c'est à peu près 9 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant en empreinte carbone. En France, la moyenne mondiale, elle est autour de 6, donc on est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Hein. Nos émissions, elles sont petites parce qu'on est un petit pays. Voilà. Et en plus, on a une responsabilité historique dans le cumul des émissions. Et donc, et on est un pays plus riche. Et donc, on a une responsabilité à agir, à montrer que c'est possible, qu'on peut vivre bien en réduisant nos émissions. Je pense que ça, c'est une première chose, être un peu leader et montrer que bah, c'est possible. Et par ailleurs, au niveau de la solidarité internationale, bah, y a toute les pays riches s'étaient engagés à financer une partie, dont les 100 milliards de dollars par an, pour financer des actions
de réduction des émissions, mais aussi d'adaptation au changement climatique ailleurs dans le monde, on n'a même pas été capable de tenir nos promesses. Donc là, c'est pas sérieux et on peut pas. Enfin, je pense que c'est une question qui est morale en fait. Hein. Et on va être de plus en plus dans la question, et qui était une question qui devient importante et qui était importante à la COP de Glasgow, c'est la question des pertes et dommages. Ce changement climatique, on le voit aujourd'hui, il a des effets très concrets aujourd'hui avec des dommages. Et toute la question de la solidarité autour de ces dommages et du financement. Après, comment on fait ça, c'est une question qui est une question de politique internationale. Et bon, on n'y est pas vraiment. Et peut-être pour enfoncer le clou sur cette question des pertes et dommages, mais aussi des fonds, des 100 milliards par an, c'était à l'agenda de la COP26, vous l'avez dit, cette année, ça n'a pas été réglé. C'était déjà le cas, en gros, depuis l'accord de Paris en 2015. Ce sujet n'a pas trouvé de réponse. Et pour l'anecdote, mais elle n'en est pas une, sur ces 100 milliards donc, qui n'ont jamais été atteints, la part qui a été atteinte l'a été sous forme de prêts, alors que ce n'était pas du tout ce qui était convenu initialement dans le processus. Est-ce que vous vouliez compléter sur ces aspects de solidarité, Hervé Le Trut? Oui, non, je voulais juste dire, parce qu'effectivement, peut-être c'est ce que j'ai dit, a pu être mal compris. Quand j'ai parlé du fait qu'on n'a pas la main sur les choses, c'est bien sûr pour dire qu'on n'est pas capable de tout résoudre et qu'on est surtout en nécessité aujourd'hui de protéger nos territoires. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une mauvaise compréhension possible de ces choses-là, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire se recroqueviller chez soi. Je pense que là, et surtout pas dans ces périodes où on parle surtout de retour à des identités un petit peu musclées. Donc je crois que ce qui est important, c'est vraiment de voir le possible. Et je crois que de ce point de vue-là, on a quand même effectivement beaucoup à montrer. Alors on n'a pas du tout très peu parlé de technologie, parce qu'effectivement ça ne fait pas partie des choses qu'on peut mettre en place de manière immédiate. Mais je crois qu'on a à partager quand même beaucoup de notre savoir aussi. Et c'est des choses qu'on doit arriver à faire beaucoup mieux que l'on ne le fait aujourd'hui. Parce qu'on est encore un pays qui peut apporter, et qui ne l'a pas fait, même dans ses anciennes colonies, en fait. Je pense qu'il y a de ce niveau-là beaucoup de choses qui sont à notre portée et qu'on ne fait pas. Autre question. Alors, madame, ici, puis ensuite vous, il faudra me relever la main. Allez-y. Alors, dans notre discussion à plusieurs reprises, nous avons évoqué les relations entre les chercheurs et le monde des décideurs. Et la question de madame est d'en savoir plus sur ces relations. Est-ce que c'est difficile d'avoir, offrir le champ des possibles et que chacun joue son rôle, ses responsabilités? Hervé Le Trut. Moi, je peux parler juste de mon expérience en Aquitaine. Je pense que Il y a des responsabilités. Oui, il y a une difficulté de langage entre ce qu'on fait en tant que scientifique et ce qui est perçu par les décideurs. Il y a toutes sortes de décideurs. Moi, j'ai fait une expérience qui est plutôt avec des décideurs publics. Et donc, ce n'est pas la même chose que d'autres expériences. Ce qu'on peut voir, c'est que très souvent, ce qu'on peut dire est mal compris. En fait, moi, j'ai mal plus frappé quand on a travaillé en région Aquitaine, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, c'est le fait que ce qu'on avait pu mettre en place, un gros volume, ça correspondait à une science qui avait finalement été très peu utilisée jusqu'à présent. Et pourquoi elle est très peu utilisée? Moi, je dis quelquefois une petite anecdote, je dis tiens aussi, c'est quand on est dans un train et puis que le train s'arrête, quelquefois maintenant les gens sont gentils, nous disent voilà, on est arrêté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on change de voie? Est-ce qu'on reste là où on est? On ne sait pas. Et il y a vraiment beaucoup de ça dans les liens qu'on peut avoir avec un certain nombre de lieux de décision. Parce que la manière dont on laisse la problématique
scientifique au pied du mur en disant aux gens mais à vous de jouer, souvent ça marche pas. J'ai remarqué que donc il y a, je crois, des efforts qu'on peut faire aussi dans ce domaine-là. Et il faut prendre ça peut-être plus au sérieux dans le cadre de notre mandat de scientifique, cette capacité à agir dans différents milieux. Est-ce que, pour compléter cette question, il n'y a pas aussi peut-être quelque chose qui se joue autour de la capacité à appréhender le temps long, parce que dans vos différents champs de recherche, qui sont différents tous les trois, vous avez l'habitude, la pratique de l'esprit de se dire, de regarder ce qui se passe aujourd'hui et de le projeter à 50 ans, 100 ans, et que finalement, quand on est décideur, que ce soit politique ou dans une entreprise, les impacts que l'on cherche, ils s'inscrivent dans un espèce de retour sur investissement qui se joue à 2, 3, 5 ans. Ou à l'échelle d'un mandat politique, et que c'est particulièrement difficile de se projeter dans des décisions dont les impacts, les résultats ne se verront que peut-être dans la génération d'après. Isabelle Schwinn, peut-être pour commencer, puis Céline. Non, mais c'est oui, je pense que c'est clairement le problème, c'est que les politiques ne sont pas dans la même temporalité que les chercheurs, et effectivement, il faut être très courageux pour prendre des actions vraiment très... structurante, en tout cas efficace et impactante, qui auront un effet dans 50 ans ou 100 ans, c'est sûr. Oui, un problème de temporalité. Mais peut-être que, justement, en fait, je pense que, enfin, moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille maintenant sur l'impact du changement climatique, et au cours de ma carrière, j'ai quand même vu une évolution. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a quand même une prise de conscience. Et malheureusement, je le dirais, elle vient du fait qu'on commence à percevoir ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on commence à se prendre en pleine figure des choses qu'on ne pensait pas peut-être possibles. Donc, je parle là des inondations meurtrières, des canicules meurtrières également, qui se passe un peu partout dans le monde. Et donc, malheureusement, il faut qu'on en arrive là pour que les décideurs et nous-mêmes prenions conscience des enjeux. Je pense là à l'œuvre d'un artiste qui avait été installé suite à des réunions internationales d'un groupe de décideurs sous l'eau à tergiverser pour se décider. Jeune homme, si vous voulez, vous pouvez... Alors, je répète, pour les internautes, on parle de plus en plus du concept de décroissance. Est-ce que ce concept serait une solution par rapport à la problématique que l'on aborde aujourd'hui? Et est-ce que les régimes actuels, la gouvernance actuelle, peut permettre ce type de solution? J'en profite pour citer, j'ai lu un article d'Éloi Laurent, économiste que peut-être vous connaissez, qui disait tout récemment, la croissance, c'est l'énergie motrice de la crise climatique, et que ce découplage complet entre croissance et enjeux climatiques était un sujet bien complexe. Alors, qui veut commencer? Peut-être Céline Guivarch. Oui, autant j'ai parlé de l'indicateur du PIB, hein, et c'est la croissance du PIB en général dont on parle, et où je disais, bon, c'est pas un objectif, en tout cas pour un pays comme la France qui est adapté à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Hein, le PIB, ça mesure pas les effets sur l'environnement, ça mesure pas les inégalités, ça mesure pas la santé. Autant, inversement, si ce que vous dites, c'est chercher volontairement à réduire le PIB, ça me paraît de même pas un objectif en soi. Par contre, se dire les objectifs qu'on se donne en tant que société, c'est de donner un accès à l'éducation, à la santé, à des opportunités de choix, de vivre une... ce que chacun considère être une bonne vie, ça peut être
un objectif, une façon de faire. Ce qui est assez clair, c'est qu'on a besoin d'une décroissance des émissions de gaz à effet de serre, qu'on a besoin d'une décroissance de l'impact sur l'environnement d'une façon générale. Donc à ce titre-là, si c'est de décroissance des émissions de gaz à effet de serre, oui, évidemment, et très rapidement, et pour atteindre net zéro. Et il me semble que ça repose très 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 fortement la question des inégalités, parce que dans le monde, on est très loin d'avoir atteint un niveau de vie décent pour tous, et y compris en France. Donc je pense que ça pose très très fortement ça. Et après, il me semble aussi que peut-être que ces grands concepts de la croissance ou la décroissance, quand on est à prendre des décisions de politique publique ou de choix à des niveaux plus locaux, c'est pas forcément très opérant. En fait, on a besoin de se demander, ok, est-ce que dans quoi j'investis, quel type de régulation je mets en place, quelle politique publique, et c'est ça qu'il faut se poser comme question, et finalement, est-ce que ça va augmenter le PIB ou pas? Certaines choses, ça va tendre plutôt à le faire baisser, d'autres plutôt à le faire augmenter. Si vous mettez en place une politique vraiment forte, par exemple, de rénovation thermique de tous les bâtiments, c'est derrière des emplois, c'est de l'activité économique, et ce type de politique-là, ça tend plutôt à faire augmenter l'activité économique, et en soi, c'est une bonne chose. Donc je pense que c'est plutôt... je ne suis pas très sûre que des grands concepts hyper généraux soient en fait opérants. Voilà. Merci, c'est extrêmement intéressant cette réponse et la façon de se libérer justement de peut-être de ces grands concepts pour y penser. Est-ce que quelqu'un voulait compléter, Hervé Le Trut? Enfin, en fait, ce que je voulais dire a presque été complètement dit, mais il y a une chose qui me frappe dans ces problèmes de décroissance, c'est quand même la résonance que peut avoir un mot effectivement très simple par rapport à des situations qui sont au contraire extrêmement compliquées et qu'ils deviennent de plus en plus. Donc je crois qu'il faut vraiment être attentif à cela. Moi, je pense vraiment que ce qui s'offre, ce qui se détermine aujourd'hui, c'est un monde de plus en plus différent, de plus en plus complexe, et qui va demander de plus en plus de réflexion sur la manière dont il peut évoluer. C'est pour ça que je parlais d'enseignement et d'avoir des gens qui se définissent par rapport à ces enjeux-là, qui sont des enjeux nouveaux. La nouveauté, elle est là depuis longtemps. Moi, j'étais à l'école primaire quand on a passé 3 milliards d'individus. Je me rappelle, c'était affiché dans la salle. On est pratiquement 8 milliards d'individus. Donc on est dans un système aujourd'hui qui n'est pas décroissant du tout quand on parle, par exemple, de la natalité. Donc on ne peut pas donc résumer les choses à des idées trop simples aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment plus possible. Et ça permet de revenir à l'enjeu de ces grilles de lecture qui peuvent paraître complexes, mais qui permettent d'aller dans l'opérationnel et dans l'action. Autre question ici. Alors, si vous n'en avez pas, moi, le temps file, il est quasiment 19h15. J'ai une question pour vous, Isabelle Schwinn. Pour lutter contre la décroissance de la biodiversité, pour réutiliser ce terme, il y a une typologie d'action que j'aimerais qu'on évoque, parce que moi, ça m'a surprise quand je l'ai découverte. Ce sont les migrations assistées. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi, ce que c'est et pourquoi on peut être amené à les mettre en œuvre. En fait, donc, ce concept de migration assistée, on y réfléchit dans le cadre de l'adaptation en fait, des espèces au changement climatique, et en particulier dans le domaine forestier, qui est plus spécifiquement mon sujet d'étude. Il faut savoir, tout à l'heure on disait que la forêt stocke énormément de carbone piège, énormément de CO2.
Mais actuellement, la forêt souffre aussi beaucoup du changement climatique. Vous avez peut-être entendu parler des dépérissements qui commencent à apparaître un peu partout, enfin, oui, en France. J'ai lu là, très récemment que même là où j'habite, à Montpellier, donc la forêt méditerranéenne, que 70% de la forêt méditerranéenne avait été classée dépérissante par le département de santé des forêts l'année dernière. Donc, comment on fait pour aider la forêt à continuer à stocker du carbone, donc à ce qu'elle continue à croître? Eh bien, on peut essayer d'accélérer en fait la sélection naturelle en apportant, par exemple, des graines issues de populations qui actuellement vivent plus au sud, les amener plus au nord, c'est-à-dire enrichir les populations qui vivent plus au nord, de manière à leur amener des gènes qui seront adaptés aux conditions futures. Voilà, c'est ça qu'on appelle un peu la migration assistée. On peut le faire. Donc souvent, c'est des c'est amener du matériel génétique, donc sous forme de graines ou pour les plantes aussi de pollen, de manière à augmenter la diversité génétique dans les populations et de manière à accélérer la sélection naturelle. Donc que cette sélection naturelle sélectionne les individus qui pourront survivre dans le futur. Merci à vous pour cette explication. Eh bien, s'il n'y a pas de dernière question, non. Eh bien, je souhaite vous remercier à vous qui nous avez suivis en ligne, à vous ici dans l'auditorium du Musée des Confluences, et puis vous également, Isabelle Schwinn, Hervé Le Treut, Céline Guivarch, pour vos propos extrêmement éclairants. Évidemment, cette conférence, si vous avez envie de la réécouter pour peut-être prendre des notes, faire des pauses, réfléchir à ce qui a pu être dit, il y aura un replay mis à disposition par le Musée des Confluences, et puis on peut se référer aux articles, aux ouvrages que vous écrivez et qui permettent d'aller plus loin dans ces réflexions. Merci à toutes et tous et très belle soirée à vous.